Le Codex, ou la Commission du Codex Alimentarius, est l'organisation qui élabore les normes internationales. Le Codex a été créé dans le cadre du programme conjoint FAO-OMS sur les normes alimentaires et est l'une des composantes de ce programme chargé de l'élaboration de normes alimentaires internationales. Étant un organisme mondial chargé de l'élaboration de normes alimentaires, le Codex a convenu des statuts et des règles de procédure qui régissent ces opérations. Toutes ces informations sont incluses dans ce document très important qu'est le manuel de procédure. Le manuel de procédure est disponible dans toutes les langues des Nations Unies et est en quelque sorte la constitution et les règles de gestion du Codex. Le Codex, par l'intermédiaire de la Commission, peut modifier son règlement intérieur et d'autres textes du manuel de procédure du Codex, mais seule la conférence de la FAO et l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS peuvent modifier les statuts. Le manuel de procédure du Codex est disponible sur le site web du Codex Alimentarius. Les statuts du Codex fournissent les bases juridiques des travaux de la Commission. Ils fournissent son mandat ou sa mission, décrivent les procédures officielles d'opération. 10 articles des statuts de la Commission constituent le fondement juridique de ses activités. En bref, les statuts couvrent le mandat ou la mission, la composition, les observateurs, les rapports et les recommandations, ainsi que la structure et la composition ou le fonctionnement du comité exécutif, le règlement intérieur, la création d'organes subsidiaires et les dépenses de fonctionnement admissibles. Les statuts se trouvent dans la section 1 du manuel de procédure du Codex Alimentarius et sont disponibles en ligne à la même adresse, donc sur le site du Codex Alimentarius. Le mandat de la Commission du Codex Alimentarius est clairement précisé dans le premier article de ses statuts. L'article 1, alinéa A, protéger la santé des consommateurs et assurer les pratiques loyales dans le commerce alimentaire. Alinéa B, promouvoir la coordination de tous les travaux en matière de normes alimentaires entrepris par des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales. Alinéa C, établir un ordre de priorité et prendre l'initiative et la conduite du travail de préparation des projets de normes par l'intermédiaire des organisations compétentes et avec leur aide. Alinéa D, mettre au point les normes préparées comme indiquées au paragraphe C, donc au paragraphe que je viens de mentionner, et les publier dans un Codex Alimentarius, soit comme normes régionales, soit comme normes mondiales, avec les normes internationales déjà mises au point par d'autres organismes comme mentionné au paragraphe B ci-dessus. Alinéa E, modifier les normes déjà publiées selon qu'il convient et à la lumière de la situation. Le deuxième article des statuts donne des indications sur qui peut devenir membre du Codex. La liste actualisée des pays membres de la Commission du Codex Alimentarius est disponible également en ligne et est régulièrement actualisée. Pour devenir membre de la Commission du Codex Alimentarius, deux conditions doivent être remplies. La première condition est que le pays doit être membre de la FAO ou de l'OMS. La deuxième condition est que le pays doit notifier au directeur général de la FAO ou de l'OMS son souhait de devenir membre. Il convient également de noter que l'adhésion est limitée au seul pays membre et l'exception faite d'organisations d'intégration économique régionale qui ont été admises donc suite à la modification de la constitution de la FAO et de l'OMS, tel qu'il a été fait pour l'Union européenne.
Un autre article important des statuts est le sixième article qui prévoit la création d'un comité exécutif qui fonctionne comme organe exécutif de la commission. Cet article prévoit la gestion continue du processus du codex entre les sessions de la commission. Alors, le comité exécutif ne peut prendre des décisions au nom de la commission, par exemple autoriser de nouveaux travaux ou adopter des normes, mais il est responsable de la planification stratégique, il est responsable du budget et de la gestion du processus d'élaboration des normes. Alors, résumons le contenu de cette session. La FAO et l'OMS ont établi le programme conjoint FAO-OMS sur les normes alimentaires pour l'élaboration de normes alimentaires internationales. La CAC, ou la Commission du Codex Alimentarius, est un organisme intergouvernemental créé pour élaborer des normes alimentaires dans le cadre du programme conjoint FAO-OMS sur les normes alimentaires. La collection de normes alimentaires et de textes connexes adoptés par la Commission du Codex Alimentarius est connue sous le nom de Codex Alimentarius. Le manuel de procédure du Codex contient les statuts de la Commission, son règlement intérieur et des informations supplémentaires relatives au fonctionnement de la Commission et de ses organes subsidiaires. L'un des principaux mandats de la Commission du Codex est de protéger la santé des consommateurs et d'assurer les pratiques loyales dans le commerce des denrées alimentaires. Enfin, pour qu'un pays devienne membre de la Commission du Codex Alimentarius, il doit être membre de la FAO ou de l'OMS et il doit informer le directeur général de l'une de ces deux organisations qu'il souhaite devenir membre.